Bonjour, donc je vais commencer la troisième conférence confinée, conférence d'astrophysique, où nous allons parler aujourd'hui de cosmologie. Alors le réseau a l'air pas hyper rapide, donc voilà, je vous prie de m'excuser si ça coupe. En tout cas, j'enregistre la vidéo par ailleurs, donc c'est cet enregistrement que je mettrai sur YouTube ultérieurement, pour des raisons de qualité. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui se connectent. On va pouvoir commencer. Je vérifie que WooClap fonctionne. Alors, pour WooClap, oui, alors j'ai mis une slide. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc, si vous voyez la slide que je vais vous mettre ici, voilà, vous pouvez participer en répondant aux petites questions. Alors, j'en aurai moins aujourd'hui, hein, j'en aurai plutôt vers la fin. Et puis pour répondre à vos questions, vous vous connectez, ma suggestion, donc sur une autre fenêtre, hein, sur wooclap.com/astropublic en majuscule, et je mets cette information toujours en bas dans la vidéo. Hein, voilà, alors je vais y arriver. C'est écrit ici, voilà, wooclap.com/astropublic, et ça vous permet de répondre aux questions, et puis d'envoyer des questions que je pourrais lire, parce que le chat de YouTube, moi j'y arrive pas trop, je ne suis pas encore vraiment expert. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Alors, si tout est bon, je vérifie une dernière fois, parce que le réseau n'a pas l'air très, très bon. Donc écoutez, on va faire avec, hein, ou sans. On va parler aujourd'hui de plein de choses intéressantes. Attendez, je vérifie juste un truc quand même, c'est que vous êtes connecté. J'ai une autre fenêtre qui me dit ça. Voilà. Vous n'êtes pas énormément à être connecté, mais on peut quand même commencer. Effectivement, les fenêtres rament. Alors, ce que j'aime bien demander au début, vous avez peut-être l'habitude. D'abord, c'est pour voir si le réseau fonctionne, si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est sur vos claps, donc dont l'adresse est indiquée au-dessus de la diapositive. C'est donner votre âge, hein. Alors c'est anonyme et puis ça sert à pas grand-chose, mais ça me permet de voir déjà si vous arrivez à répondre avec ce système et de voir le côté interactif. Alors aujourd'hui nous allons parler de pas mal de choses très intéressantes. On va parler de pourquoi la nuit est-elle noire, hein. Pendant que vous répondez, je vous laisse répondre à cette question. Pourquoi la nuit est-elle noire? Ce faisant, nous allons aborder la notion du fond cosmologique, c'est-à-dire cette première lumière relâchée dans l'univers, se propageant à peu près librement. Et puis on va parler du modèle du Big Bang. Alors brièvement, mais on va voir d'où ça vient. Après, comme promis la semaine dernière, on va parler de matière noire, un peu d'énergie sombre, et toujours du modèle du Big Bang. En fait, je vais vous montrer comment nous mesurons l'âge de l'univers et la composition en matière noire dans l'univers. Et puis à la fin, il y aura, comme d'habitude, des conseils de lecture et puis vos questions que j'attends sur vos claps, éventuellement sur le chat, mais comme j'arrive pas à suivre, parce que voilà, je n'ai pas tout sous les yeux, et puis il y a plein, ça défile trop vite pour mes yeux lents, et ben donc souvent je préfère vos claps pour les questions, mais on verra si j'y arrive sur le chat aujourd'hui. Alors on y va. Pourquoi la nuit est-elle noire? Alors on peut se poser la question sur cette belle photo que j'ai prise il y a quelques jours, en confinement toujours, bien entendu. On peut se dire, mais c'est une question un peu débile, parce que la nuit elle est noire, c'est quand le soleil est couché, et donc la Terre est dans l'ombre, et puis il fait nuit. Voilà. Bon. Ok. Mais alors c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de regarder le ciel nocturne. Alors voici une belle image que j'ai prise à l'Observatoire d'Haute-Provence quand je suis avec mes étudiants du Master 2 d'astrophysique de l'Université Paris-Saclay et puis d'autres établissements avec qui nous faisons ce master. Il y a une belle image ici, vous voyez une coupole en bas, vous voyez un laser hein, qui est à la station Gérard-Méji de l'OHP et de la station de géophysique qui sont de la haute atmosphère, donc c'était très joli. Pour la photo et pour la science. Et puis derrière, vous avez un fond étoilé. On reconnaît même la galaxie d'Andromède vers la gauche, hein, à gauche du laser, le petit truc un peu étalé. Puis on voit plein d'étoiles, puis on voit la Voie lactée hein, qui est presque verticale derrière. Ça, c'était un ciel d'hiver. Alors,
Pourquoi la nuit est-elle noire? Bah, vous voyez qu'il y a plein d'étoiles dans le ciel. Et puis une galaxie, en l'occurrence, qu'on peut même voir à l'œil nu. Alors, pourquoi la nuit est noire? Elle est noire parce qu'il y a des étoiles, mais les étoiles, ça brille. Donc, en fait, la nuit n'est pas noire à cause des étoiles. Mais bon, on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a quand même du noir entre les étoiles, hein. Alors, on peut se dire, est-ce qu'il y a des étoiles qu'on ne voit pas avec nos yeux? Ce qui est en effet très, très probable et ce qui est le cas, parce qu'avec nos yeux, on ne voit pas toutes les étoiles de la Voie lactée. Et puis, on voit encore moins toutes les étoiles d'autres galaxies. Vous vous rappelez les galaxies, lors de ma première conférence, ceux qui ne sont pas complètement au courant, vous pouvez aller voir la première conf, où je parle de galaxies, où il y a plein d'étoiles dedans. Ben, effectivement, nos yeux ne voient pas les galaxies très lointaines. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a du noir dans le ciel. Et des étoiles et des galaxies. Mais on peut se demander pourquoi finalement le ciel n'est-il pas rempli d'étoiles? Mais quand je dis rempli, c'est vraiment partout tapissé d'étoiles, vraiment à chaque endroit. Pourquoi n'y a-t-il pas une étoile? Peut-être qu'il y en a finalement, parce que si on regarde très très loin, alors je crois que c'est l'image d'après, si on regarde très très loin, l'image de fond que je vous propose est une image du télescope spatial Hubble où on voit plusieurs milliers de galaxies sur cette image. Et donc en fait le ciel est en fait pavé, constellé, tapissé, rempli de galaxies qui chacune contient 10 puissance 9, 10 puissance 10 étoiles, donc des milliards d'étoiles. Donc on peut avoir l'impression que quelle que soit la direction dans laquelle on pointe notre doigt dans le ciel, eh ben on tombera un moment sur une étoile, alors qu'on ne voit pas forcément nous avec nos yeux, hein, parce qu'elles sont trop loin, ces étoiles dans des galaxies lointaines. Néanmoins, on peut imaginer que ben, en fait, y a des galaxies partout et des étoiles partout. Et dans ce cadre-là, on peut se poser la question, ben, pourquoi la nuit n'est-elle pas brillante? Parce que même si ces étoiles et ces galaxies sont très lointaines, à un moment, la lumière nous parviendra. Donc en fait, le fond du ciel devrait être très. Très, très brillant, voire briller comme en plein jour. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la nuit noire, parfois appelé paradoxe d'Olbers, qui évoque le principe, enfin le paradoxe suivant, alors comme tout paradoxe c'est apparent, hein, mais en fait il y a quand même une vraie question derrière, c'est pourquoi avec toute cette multitude de galaxies dans l'univers qui chacune contiennent des milliards, voire des dizaines de milliards d'étoiles, comment se fait-il que la nuit demeure noire, alors qu'a priori il y a suffisamment de galaxies d'étoiles pour illuminer tout le ciel? Et alors si la lumière prend du temps, c'est pas grave, il suffit d'attendre longtemps, et on a attendu longtemps, parce que l'univers est là depuis un certain temps. Donc pourquoi la nuit est-elle noire, alors qu'en fait, il y a beaucoup de bonnes raisons de penser qu'elle devrait être brillante avec toutes ces étoiles et toutes ces galaxies? Alors je vous ai mis quelques références sur cette diapositive. On a des traces de cette question depuis le XVIe siècle, Diggs, Chézeau, un peu plus tard avec Halley, et puis au XIXe avec Olbers. Et puis il y a d'autres gens très brillants comme Herschel, Kant, Proctor, Fournier d'Albe, Charlier, qui se sont attaqués à ce problème en émettant des hypothèses à chaque fois vraiment intéressantes, qui se sont avérées pour la plupart scientifiquement non valides, mais bon, voilà, c'est l'avancée de la science. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai parlé de la démarche scientifique, donc une hypothèse peut sembler valide à un instant T, peut être valide à un instant T, en termes d'hypothèse, et puis s'avérer, disons, contredite par l'avancée de la science ultérieurement. Alors c'est Edgar Poe. Au 19e siècle, d'ailleurs j'ai le livre, je ne sais plus où, je l'ai là. C'est Edgar Poe, je n'avais pas prévu de le montrer, mais puisque ça me vient, c'est Edgar Poe dans Eureka, poème en prose, qui le premier a évoqué l'idée. Alors j'ai eu, bon, je ne suis pas sûr de vouloir vous le conseiller, en plus c'est une très belle édition, c'est Jean-Pierre Luminet, un collègue. Qui est très connu, qui l'a présenté, c'est traduit de Charles Baudelaire, donc voilà, c'est quand même pas mal. Mais en fait, bon, moi j'ai pas trop aimé, c'est très très dur à lire, enfin voilà, c'est chacun ses goûts, mais en tout cas, c'est pas ma meilleure lecture. Mais à un moment, notre ami Edgar Poe évoque une hypothèse très pertinente, qui est que, eh ben, finalement, les astres ne sont peut-être pas éternels,
et que la lumière met du temps à nous parvenir. Alors, le fait que la lumière mette du temps à nous parvenir, ça on le sait depuis le XVIIe siècle, hein. Notamment à l'Observatoire de Paris, où tout ça a été mesuré par Römer et d'autres. Donc ça on le sait, mais bon, toutes ces connaissances n'ont pas forcément été agrégées par tout le monde. Donc il dit, bah, si les étoiles ont une durée de vie finie, et ben, enfin, si l'univers n'est pas éternel, ou en tout cas si les objets ne sont pas éternels, et ben, ça peut expliquer la nuit noire. Parce que ben, si tout ne brille pas de manière éternelle et permanente, et ben, voilà, on aura de l'espace noir disponible et la lumière ne remplira pas tout l'univers. C'était effectivement une très bonne remarque. Il n'était pas scientifique et il n'avait aucun moyen de prouver cette hypothèse, mais cette hypothèse s'est avérée exacte, entre autres hypothèses, hein, mais il ne pouvait pas le prouver. C'est Lord Kelvin. Donc, à la fin du 19e siècle, donc vers 1897, je crois, qui a démontré de manière brillante, en juste quelques lignes, que effectivement les étoiles ne pouvaient pas être éternelles. Alors, ça nous paraît bizarre, nous, au 21e siècle, tout confinés que nous sommes, d'imaginer que bah, les étoiles puissent être éternelles. Mais en fait, nous, on est le résidu de toute une histoire scientifique et philosophique et histoire des idées, qui nous a fait que dès qu'on est voilà, petit à l'école, on nous apprend qu'effectivement l'univers a un début, que les étoiles naissent et meurent, etc. Mais à cette époque-là, on ne savait pas tout ça. Donc on pensait, la conception globale était que l'univers était éternel. Voilà, c'était la conception un peu naturelle. L'univers était statique, c'est-à-dire qu'il ne bougeait pas, qu'il était éternel. Et voilà, c'était la conception normale. Donc le fait que Kelvin démontre dans les années 1897, et puis il a fait un tour avec des conférences dans les années 1905-1907, je crois, je me souviens plus trop, aux États-Unis, et il a effectivement explicité tous ses calculs et sa vision. Effectivement, il démontrait que les étoiles, même s'il s'est trompé d'un facteur 100 sur le mécanisme de production d'énergie au cœur des étoiles, hein, il ne connaissait pas la fusion thermonucléaire à l'époque, donc il a fait, voilà, il disait que c'était juste la gravité et une conversion chimique, donc même avec ce facteur 100 de décalage, il pouvait tout à fait montrer que la durée de vie d'une étoile était très très courte par rapport à l'éternité. Donc ça devait vivre que quelques millions d'années, éventuellement quelques milliards, mais pas un temps infini. Donc là, il y a eu vraiment un saut majeur dans l'histoire des idées grâce à Lord Kelvin, que tous les physiciens connaissent, puisque son nom a donné lieu à une unité de température absolue. Donc tout était bien qui finissait bien au début du XXe siècle. Voilà. La nuit était noire parce que bah, tout simplement les étoiles avaient une durée de vie finie. Et puis effectivement, il n'y a pas tant de galaxies que ça, et tant d'étoiles que ça dans l'univers. Donc en fait, la densité fait que bah, voilà, la nuit peut être noire. Et donc, problème résolu. Voilà, formidable. Arrivent les années 1920. Ou Hubble, je vais en reparler dans quelques instants. Hubble, Edwin Hubble, donc astronome américain, du côté observationnel, et Georges Lemaître, l'abbé Lemaître, belge en Europe d'un point de vue théorique, hein, à partir des équations d'Einstein, bien sûr. Einstein est toujours dans le paysage, hein, je ne l'ai pas mentionné là, mais il est vraiment dans les fondements théoriques de tout ça. Et bien, ils arrivent à la conclusion, on va en reparler dans quelques minutes, que y a un petit souci, c'est que si le problème de la nuit noire a bien été résolu, les galaxies, elles, montrent un comportement très bizarre. Elles semblent s'éloigner toutes de nous. Et ça, c'est pas du tout l'univers statique. On a déjà tué l'univers éternel quelques années auparavant, et là, c'est bizarre parce que l'univers statique n'a pas l'air de résister aux observations. Donc on va en parler dans un instant. Et effectivement, l'univers est en expansion. C'est la seule explication qu'on a des observations, et cette explication est théoriquement valide. Elle peut être complètement acceptable dans le cadre, voilà, de la relativité et de la cosmologie. Et puis arrive Gamow, hein, je vous la fais courte, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a apporté des connaissances en physique atomique. Et il s'est dit, bah, ok, l'univers est en expansion. L'abbé Lemaître l'avait déjà évoqué depuis longtemps, hein, ce côté d'expansion d'atomes primitifs, hein, qui est un terme un petit peu regrettable d'un point de vue conceptuel, mais ça ne retire absolument rien à toute la qualité et à la vision de son travail et au caractère pionnier.
Et donc Gamow voit cet univers en expansion et se dit, bah, un peu comme le maître, bah, on va mettre le film en arrière et on va voir ce qui se passe. Et donc, quand on met le film en arrière, on voit que les astres sont plus proches les uns des autres. Et puis, si on continue à mettre le film en arrière, on se rend compte que bah, tout est tellement plus proche, partout dans l'univers, hein, c'est pas un seul point, mais tout est tellement plus proche qu'en fait, ça atteint des températures assez exceptionnelles, un peu comme au centre des étoiles. Donc, c'est le premier à évoquer le modèle de, alors ce terme n'existait pas à l'époque, mais aujourd'hui on l'appelle comme ça, de Big Bang Chaud. Big Bang Chaud, c'est-à-dire que l'univers est passé par une phase très 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 chaude, avec une très forte densité de matière. Et la physique vous dit que si vous êtes à l'équilibre thermodynamique dans une phase vraiment confinée, un peu comme nous, mais bon, beaucoup plus, l'univers était beaucoup plus confiné que nous, hein, c'était vraiment des densités, des températures absolument extrêmes. Eh bien, il y a échange entre matière et rayonnement. Il y a même un équilibre. Alors, l'univers était hors équilibre, hein, puisqu'il est en expansion et il se refroidit. Mais bon, pareil, je vous passe les détails. Mais il y a quand même eu un équilibre entre matière et rayonnement. Et ça, c'est hyper important, parce que ce rayonnement a une caractéristique spectrale, on va en parler dans un instant, qui est le rayonnement de corps noir, qui est un concept physique de physique théorique qu'il est difficile d'avoir dans la nature, et en fait l'univers est le meilleur corps noir naturel que l'on connaisse, parce que les étoiles sont un petit peu des corps noirs, mais beaucoup moins précis et propres que le fond cosmologique. Et donc avoir cette courbe de corps noir serait une, alors j'allais dire preuve, parce qu'en fait on peut jamais prouver une théorie, mais en tout cas c'est une prédiction extrêmement fort du modèle du Big Bang Chaud. Donc le Big Bang Chaud prévoit qu'il y a un rayonnement dans l'univers qui est présent et qui n'est pas n'importe comment, qui a cette fameuse forme en cloche de courbe de, ça s'appelle courbe de Planck, de corps noir. Alors aujourd'hui très très refroidi, parce que l'univers a été en expansion depuis très très longtemps, mais ce rayonnement devrait exister. Et donc en fait, la nuit est noire pour nos yeux. On en fait l'expérience chaque soir, surtout que de nombreuses municipalités ont le très bon goût d'éteindre l'éclairage nocturne entre typiquement 23h et 5h du matin, parce que ça sert absolument à rien de dépenser de l'argent et d'éclairer la nuit, quoi qu'on en dise. Beaucoup d'études montrent que c'est absolument inutile, d'un point de vue sûreté, d'un point de vue sécurité, de dépenser de l'argent à illuminer, bêtement la nuit. Donc on en fait l'expérience en regardant effectivement la nuit noire, donc si possible, quand il n'y a pas d'éclairage, que la nuit est bien noire pour nos yeux. En revanche, le modèle du Big Bang Chaud prédit qu'il devrait y avoir une lumière résiduelle qui provient du Big Bang, hein, de l'époque. Alors Big Bang, c'est un terme suffisamment flou pour mettre un peu tout ce qu'on veut. Dans ma bouche, Big Bang, c'est le modèle cosmologique et les instants jusqu'à quelques milliers d'années après la singularité initiale. Parce que pour certains collègues, le Big Bang, c'est vraiment la singularité initiale. Moi, je prends ça d'un point de vue très, très souple. Je prends ça dans un terme très large. Hein. C'est, disons, ce qui se passe dans les premiers milliers d'années de vie de l'univers. Donc, avec ce Big Bang Show, toute cette énergie, toute cette lumière, à un moment, est relâchée dans l'univers. À l'époque, on ne sait pas trop comment, mais il devrait y avoir une lumière résiduelle qui baigne l'univers. Donc en fait, si on regarde vraiment, la nuit n'est pas noire, mais nos yeux la voient noire, parce qu'évidemment, on est sensible à la lumière visible. Et effectivement, dans la lumière visible, la nuit est noire. Mais la prédiction de Gamow et d'autres, hein, c'est qu'il devrait y avoir une lumière résiduelle dans l'univers, qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on peut peut-être voir avec autre chose, qui serait une indication très très forte que le modèle du Big Bang n'est pas si débile que ça, parce que c'est une prédiction très forte du modèle du Big Bang. Alors avant de passer à la suite, je vous avais posé une petite question de voir si vous si ça fonctionne, vous clap, et donc je vois que vous avez répondu, et donc que vous avez... la fenêtre est un peu trop large, je vais peut-être la réduire un peu, est-ce que ça marche comme ça? Et donc, vous avez répondu, et donc il y a beaucoup de gens qui nous regardent, y compris des tout petits. Alors, tant mieux. Bienvenue les jeunes, bienvenue les futurs scientifiques. Voilà, j'espère vous inspirer. Aujourd'hui, ça sera d'un niveau un petit peu plus élevé que d'habitude.
Donc j'espère que vous pourrez tous suivre. Voilà, il en faut pour tout le monde. Donc les deux premières séances étaient assez disons, conceptuellement relativement simples. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans le dur. Voilà. Alors donc, Gamow et d'autres prédisent que l'univers a un rayonnement. Que l'univers a un rayonnement, et j'essaie de ne plus me tromper dans les fenêtres. Voilà. Un rayonnement résiduel, est-ce que ce rayonnement existe? Voilà, simplement. Et donc, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Arnaud Penzias et Bob Wilson, qui étaient tranquilles dans leur New Jersey, ils bossaient pour les Bell Labs, avec cet instrument qu'on voit en bas à droite, un peu bizarre, qui est une antenne radio, utilisé comme radiotélescope. Hein. On est dans les années, début des années 1960. Et on est au tout début de l'ère spatiale. Hein. L'humanité, pour les plus jeunes d'entre nous, n'est peut-être pas au courant, mais les satellites artificiels n'ont pas toujours existé. Hein. L'humanité est entrée dans l'ère spatiale en 1957, avec Spoutnik soviétique. Dans ces années-là, jusqu'aux années, oui, fin des années 60, les satellites n'étaient qu'en orbite basse. Parce que c'est très compliqué d'avoir un lanceur, etc. Donc l'orbite basse, c'est l'orbite qu'on voit avec ISS, hein, par exemple. Hein, ça fait un tour en 90 minutes à peu près, puisqu'on ne pouvait pas aller très 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 loin. Et très tôt, les gens ont eu envie de faire des télécommunications intercontinentales avec des satellites. Sauf qu'aujourd'hui, c'est facile. Vous mettez un satellite géostationnaire à 36 000 km d'altitude qui a une période de rotation de 24 heures, bingo, donc votre satellite, il est à peu près toujours, il est toujours à la même place par rapport à vous, parce qu'il tourne en même temps que vous. Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire. Les satellites étaient beaucoup plus proches, quelques centaines de kilomètres. Donc comment vous faites pour faire des télécommunications si votre satellite, il tourne très vite? Alors d'abord, il faut le suivre, c'est l'objet de ce grand radiotélescope, là, cette grande antenne, elle tourne, un grand cornet, pour que la lumière radio du satellite puisse être suivie en quelques minutes pour passer... Quand le satellite est visible sur la Terre pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, ça devait retourner et prendre un satellite suivant. Donc en fait, il y avait quelques satellites qui tournaient et qui permettaient de faire des télécommunications pendant quelques minutes seulement. Mais voilà, à l'époque, ça marchait comme ça. Et donc eux, ils étaient intéressés pour développer des nouveaux détecteurs. Et ils avaient de fait le détecteur le plus sensible du monde à l'époque. Il était refroidi à l'hélium liquide. Et ils essayaient de l'utiliser. Et ils se sont dit, tiens, on va regarder le ciel. Alors, pareil, je simplifie. Hein. On va regarder le ciel et on va voir ce qu'on trouve. Et donc, ils mesurent plein de choses. Ils mesurent la Voie lactée, la galaxie, hein, qui émet dans les ondes radio. Ça, on le sait depuis les années 1930, avec M. Jansky, qui a aussi donné son nom à une unité dans les ondes radio. Ils mesurent l'atmosphère, puisque l'atmosphère rayonne thermiquement, notamment, et puis avec des transitions atomiques dans les ondes radio. On est à quelques centimètres de longueur d'onde, là. Et puis, ils ont le bruit de leur détecteur, hein, qui est présent, et donc ça aussi, ils le mesurent très bien, surtout que c'est vraiment très, très bas bruit. Donc, ils mesurent ça tranquillement, et ils se rendent compte qu'il y a un petit signal supplémentaire qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et comme ils sont très précis, très pro et très méticuleux, hein, ils n'ont pas dit « Oh, il y a un truc bizarre, on s'en fout, on passe à autre chose. » Ils auraient pu le faire, mais non, c'est des gens très très pro, hein, comme tous les scientifiques. Ils se sont dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'était un signal pas très fort, mais ils le voyaient, c'était vraiment au-dessus du bruit. Et c'était en complément de la Voie lactée et de l'atmosphère, parce que ça, on peut faire des mesures pour distinguer les deux. Alors, ils se sont dit, c'est peut-être les pigeons, les fientes de pigeons qui sont dans le télescope, qui sont... parce que c'était une sorte de nichoir géant. Hein. Ils se sont dit, on a l'air malin si on publie que les fientes de pigeons émettent à, 3 cm de longueur d'onde, ou 7 cm de longueur d'onde, je ne sais plus. On aura l'air malin. Donc, ils ont envoyé des gens, c'est la petite image du dessus, des gens nettoyaient toutes les fientes de pigeons qui étaient dans l'antenne, hein, c'est une antenne ou un radiotélescope, pour être sûr que ça ne vienne pas de l'émission radio des fientes de pigeons ou des nids de pigeons. Donc ils ont tout nettoyé. Je ne sais pas qui a nettoyé, mais voilà, ils ont bien dû s'amuser. Ils ont refait l'expérience. Il y avait toujours ce petit signal. Ils se sont dit, ah, bon,
On comprend pas, mais on a l'impression que ça vient du ciel quand même. Donc ils se disent, on a découvert un truc, un rayonnement bizarre dans le ciel. On sait pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave, on va continuer nos mesures. Et ils se sont dit, si on attend 6 mois, on va refaire la mesure. Pourquoi 6 mois? Parce que la Terre aura fait une demi-orbite. Et ils se sont dit, on va regarder d'autres zones du ciel pour savoir d'abord si ce rayonnement bizarre, il est toujours là, s'il a disparu ou s'il a changé. Parce que bah, ils ne savaient pas ce que c'était, donc ils ne savaient pas si ça venait de la proximité immédiate de la Terre, si c'était très très loin, si c'était entre les deux, enfin ils ne savaient rien, hein. C'est ça la recherche, hein. C'est l'excitation de la découverte. Et donc ils ont fait ça pendant 6 mois, et toujours le même signal. Alors là, ils étaient embêtés. Ils sont allés voir les collègues de Princeton, en leur disant, bah, écoutez, donc des astrophysiciens, Dick, Wilkinson, Peebles, etc. Et ils leur ont dit, écoutez, nous on a une super antenne, la mort qui tue, on a un rayonnement dans le ciel, mais on ne sait pas ce que c'est, est-ce que vous aurez des idées? Là, les autres deviennent tout blancs. Et ils disent, ben, vous avez découvert ce qu'on cherchait, parce que eux, ils avaient une petite manip, toute petite, hein, qui n'a rien à voir avec la taille du télescope de Penzias et Wilson, toute petite pour essayer de détecter ce qui était prédit théoriquement par Gamow. Parce que les astrophysiciens, donc une équipe de théoriciens et d'observateurs, comme je l'ai évoqué la fois d'avant ou la première conférence, je ne me souviens plus, confiné, il faut les deux. Parce que eux, ils avaient une prédiction de ce rayonnement thermique de l'univers issu du Big Bang, et ils se sont dit, on va essayer de le mesurer, puisqu'il y a une prédiction théorique. Et donc ils étaient en train de construire une manip. Et voilà, dans leur bureau qui débarque Penzias et Wilson, en mode coucou, c'est nous, on a un truc, qu'est-ce que c'est? Et en fait, ils se rendent compte que c'est ça. Penzias et Wilson venaient de découvrir le rayonnement prédit par le modèle du Big Bang, qu'on appelle le fond cosmologique. C'est un rayonnement, c'est pas ça que je voulais. C'est un rayonnement, voilà, c'est ça que je voulais, qui est sur tout le ciel. Alors le ballon d'Orbi, le ovale, hein, ça représente tout le ciel. Un peu comme une map monde, hein, qui est en haut à gauche, mais là on représente tout le ciel. Et bien Penzias et Wilson venaient de découvrir, alors c'était la première mesure, hein, enfin première mesure comprise, parce qu'il y a eu d'autres mesures auparavant qui n'avaient pas été comprises. Mais bon, là je vais un petit peu vite aujourd'hui. Ils avaient détecté ce rayonnement fossile, ou rayonnement à 3K, 3 Kelvin, hein, c'est-à-dire moins 270 degrés Celsius, parce qu'il est très très froid ce rayonnement aujourd'hui. Donc ils venaient de découvrir ce fond cosmologique qu'on appelle aussi CMB, Cosmic Microwave Background en anglais, pour fond cosmologique micro-ondes, hein, puisqu'il rayonne dans les longueurs d'ondes radio type micro-ondes. Et c'était une découverte absolument fondamentale. Ils ont découvert qu'en fait le ciel est rempli d'un rayonnement d'une température identique partout, à peu près 3 Kelvin, hein, 2,726, je crois, j'ai plus le chiffre en tête, mais. On est en plein de décimales, on connaît ça aujourd'hui très très bien. Donc ça date des années 60, très grande découverte qui leur a valu le prix Nobel. Alors, j'arrête pas de me tromper, je suis pas dans la bonne fenêtre. Alors, j'ai absolument envie de vous montrer les deux articles originaux. L'article de gauche a valu un prix Nobel à Penzias et Wilson, et l'article de droite a valu rien du tout aux auteurs. Il y a juste le deuxième auteur à droite, si vous voyez en bas, je les ai encadrés. Jim Peebles, le deuxième auteur, vient d'avoir le prix Nobel juste cette année, enfin l'année dernière, en 2019, pour tous ses travaux théoriques. Mais les autres, rien. Alors c'est. Bon, après le prix Nobel, enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, hein, c'est extraordinaire pour ceux qui l'ont, mais disons, c'est un peu anecdotique. Ce qui compte, c'est vraiment les découvertes. Alors cette découverte est intéressante, parce qu'à gauche, donc, je vous ai recopié l'article, alors qu'une partie, hein, puisque l'article fait. Il n'est pas très long finalement, il doit faire 2-3 pages, de 1965. Vous avez en bas la date, hein, mai 1965. Je vous ai mis le début. Et puis à la fin, la signature. Donc, Penzias et Wilson. Et le titre de l'article, c'est de manière énigmatique: A measurement of access antenna temperature at voilà, 4080 megacycles per second. Donc, mesure d'un excès de température d'antenne à, voilà, à 4 GHz, hein, typiquement. Le titre absolument, voilà, obscur, mais cet article leur a valu le prix Nobel. Et puis à droite, qui est donc juste quelques pages avant dans le Astrophysical Journal de 65, Cosmic Blackbody Radiation, donc rayonnement cosmique de corps noir. Un article extraordinairement clair. Les premières phrases, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ils disent:
tout simplement. Un des problèmes vraiment complexes de la cosmologie, c'est tout simplement la singularité initiale qui sort des solutions des équations d'Einstein. Aussi, ce qui est bizarre en cosmologie, c'est la présence de l'excès de matière par rapport à l'antimatière. Et puis, on n'arrive pas à comprendre l'origine de la matière dans l'univers. Alors, en gros, en 4 lignes et demie, ils ont juste posé tous les problèmes de toute la cosmologie, dont certains demeurent aujourd'hui. Et ils disent, voilà, il y a quelques réponses possibles. Et le graphe que je vous ai mis en réduit, c'est tout simplement l'histoire thermique de l'univers. Donc, en fait, c'est le modèle du Big Bang. Alors, c'est pas eux qui l'ont inventé, hein, mais c'est quand même eux qui ont vraiment pris en compte, je crois que c'est la slide d'après, voilà, j'ai souligné, ils ont pris en compte les mesures de Penzias et Wilson, et en gros, c'est eux qui ont dit, écoutez, si les mesures de Penzias et Wilson sont vraiment le fond cosmologique, alors ça marche vraiment pile poil, et ça marche nickel. Alors, j'ai mis en rouge à gauche, dans l'article de Penzias et Wilson, quelques phrases intéressantes. En haut, pareil, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ils disent « A possible explanation for the observed excess noise temperature is one given by Dick, Peebles, Swirl and Wilkinson in a companion letter in this issue. » Ils disent « Une explication possible de cette température, enfin de cet excès de température que nous mesurons est donnée par l'article d'à côté de Dick, Peebles, Swirl et Wilkinson dans l'article d'à côté. » Donc ils disent tout simplement « Nous, on a fait une super mesure pour la compréhension et l'interprétation. Vous voyez l'article d'à côté. » À la fin, ils disent quand même, voilà, nous sommes vraiment très, très grateful. Enfin, nous remercions Dick et ses collaborateurs pour les discussions de leurs résultats avant la publication. Ça aussi, c'est très, très bien. C'est qu'ils ont discuté avant de publier leurs articles, qu'ils se sont mis d'accord en séparant, bien sûr, le travail de chacun et en respectant le travail de chacun. Mais vous voyez que la science, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait en équipe et en confrontant les idées. Dans l'article de Dick et Tal à droite, ils disent au milieu du texte que j'ai souligné, si nous faisons l'hypothèse que les mesures de Penzias et Wilson 65 indiquent la radiation de corps noir à 3,5 degrés, alors on peut considérer que l'univers est blablabla et ils détaillent tout le modèle du Big Bang. Et à la fin, ils les remercient en disant nous apprécions profondément l'aide de Penzias et Wilson des Bell Labs dans le New Jersey pour discuter de leurs résultats avec nous. Et l'article de Dick, Peebles, Roll et Wilkinson s'appelle tout simplement voilà, Cosmic Blackbody Radiation. Pareil, ça aurait mérité un prix Nobel, mais c'est pas grave. Ils ont fait à quelques personnes une superbe découverte de ce rayonnement. Alors, ça c'était dans les années 60. Dans les années récentes, vous savez qu'à l'université, on peut faire la même manip que Penzias et Wilson, mais avec des moyens maintenant un petit peu améliorés, parce que la technologie en 50, 60 ans a vraiment évolué. Et donc c'est mon collègue Michel Pia, hein, qui est professeur à l'Université de Paris, au laboratoire APC, qui a fait cette manip, et donc je l'aidais quand je faisais des enseignements avec lui au master, pareil, un master commun de plusieurs universités parisiennes, qui s'appelle le master OSAE, sur les techniques spatiales et voilà. Et donc on utilisait des petites antennes satellites, comme vous pouvez voir, qu'on a un petit peu modifiées, détournées, changées. Enfin, c'est surtout Michel qui a fait toute la partie électronique et étalonnage. Et on le voit à droite en train d'étalonner la manip avec de l'azote liquide. Et en faisant des mesures pendant une heure ou deux, on arrive à retrouver l'intensité du corps noir cosmologique, même en plein Paris ou en région parisienne, avec nos étudiants. Donc vous voyez que la recherche, finalement, a des aboutissements jusque dans l'enseignement universitaire, parce qu'à l'université, vous savez que recherche et enseignement sont liés, et on arrive à faire les manips d'un prix Nobel en quelques heures maintenant dans nos masters. Alors, un petit peu plus tard, grâce au satellite Kobe, je vous montre ici une courbe de corps noir. Alors, ceux qui ne connaissent pas les échelles log, ben voilà, vous découvrez. Hein. C'est un graphe qui représente sur l'axe horizontal la fréquence d'observation. C'est la fréquence d'observation, c'est les ondes radio. Hein. Et puis, sur l'axe des ordonnées en Y, l'intensité sur le ciel, hein, en watts par mètre carré, par steradian par hertz, mais peu importe l'unité. Et dans cette échelle log, hein, c'est qu'en gros, chaque grosse unité, c'est un facteur 10. Vous avez cette fameuse courbe de corps noir qui est prédite par la théorie, et les mesures s'accordent parfaitement. Et alors, cette courbe provient d'un article du satellite Kobe dans les années 1990,
Et l'instrument qui a fait ça, c'est l'instrument Fairas, qui a permis d'obtenir à son équipe, notamment John Mather, le prix Nobel en 2006 avec George Smoot. Et ça, on y reviendra un petit peu après sur George Smoot. Donc, l'histoire de la nuit noire nous permet d'aboutir à l'histoire du Big Bang et donc du fond cosmologique et à des développements très très récents dont je vous parlerai un petit peu après. Alors, le modèle du Big Bang, eh ben, on y vient. Je suis presque en retard, mais ça va encore. Le modèle du Big Bang, en fait, se fonde sur toutes ces observations, les galaxies qui s'éloignent, le fond cosmologique, d'autres choses, hein, comme l'abondance des éléments légers, c'est-à-dire le rapport entre hydrogène et hélium en termes d'abondance dans l'univers, etc. Et voit avec la partie théorique qui existe, parce que ce n'est pas juste des observations, le modèle du Big Bang, hein, il y a partie théorique, les deux essaient de s'accorder et font ce qu'on appelle le modèle du Big Bang. Alors, le modèle du Big Bang était historiquement issu de l'observation des galaxies par Hubble en 1929, hein, enfin fin des années 20. Voilà, des belles galaxies prises par Spitzer de la NASA, satellite auquel j'ai contribué il y a quelques années quand je travaillais là-bas. Donc voilà, plein de galaxies. Là, c'est des galaxies encore plus lointaines avec le télescope Hubble. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des galaxies. Donc voilà, des milliards d'étoiles dedans et puis de matière noire, etc. On va y revenir dans un instant. Et tout ça était, disons, pensé, découvert au début des années 1920-1930, avec deux articles vraiment fondateurs. L'article de Georges Lemaître en haut en 1927, qui s'intitule, c'est vraiment important, je pense, de raconter les titres aussi des articles originaux. Alors, il publiait en français à l'époque, hein, Un univers homogène de masse constante et de rayons croissants, rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. À l'époque, on appelait galaxies nébuleuses extragalactiques. Et puis l'article de Hubble, qui s'appelle Relation between distance and radial velocity among extragalactic nebulae, donc pareil, hein, une relation entre la distance et la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse sur notre ligne de visée, hein, c'est vitesse dans notre direction, c'est-à-dire soit ça s'approche, soit ça s'éloigne. La vitesse, disons, transverse, on ne peut pas trop la voir avec ces techniques. Donc dès la fin des années 20, on avait compris que l'univers était en expansion. Voilà la courbe originale, aussi une très très belle courbe que je donne à mes étudiants à mesurer, hein, en L1 à l'université Paris-Saclay, en licence. Je leur fais mesurer la constante de Hubble qui donne le taux d'expansion de l'univers. Alors qu'est-ce que vous avez sur ce graphe original de Edwin Hubble en 1929? Vous avez sur l'axe X la distance des galaxies en mégaparsecs. En gros, c'est 3 années, 1 mégaparsec, c'est 3 millions d'années-lumière, hein, à la louche. Le parsec est une distance un peu plus pertinente que l'année-lumière. Et puis en Y, donc l'axe vertical, la vitesse d'éloignement des galaxies en kilomètres par seconde. Donc les galaxies que mesurait Hubble, leur éloignement, c'était de l'ordre de 500 à 1000 km par seconde, avec des distances de 2 mégaparsecs à peu près. Et donc il a fait une droite, il dit, bah voilà, moi ce que je mesure, hein, c'est bah, que plus les galaxies sont loin, vers la droite, plus elle s'éloigne rapidement vers le haut. Et lui, il était sur le mode, bah, je m'en fous l'expansion de l'univers, moi je mesure ça, et puis point, voilà, point barre. Et c'est en mélangeant les travaux de Lemaître, issus eux-mêmes des travaux d'Einstein et de Hubble, que les gens se sont dit, bah, en fait, tout ça peut s'expliquer par un univers en expansion. Et si on a un univers en expansion qui est donc possible, rendu possible par la théorie, on se rend compte que la conclusion, c'est que Hubble verrait absolument ce qu'il a vu, si ce modèle est correct. Donc c'est pour ça que les gens parlent d'expansion de l'univers, parce que ça vient naturellement des observations et du modèle théorique. Naturellement, bah, parce qu'on observe ça, hein. Si on avait observé autre chose, on aurait peut-être pris d'autres paramètres. Donc voilà l'expansion de l'univers. Voilà un graphe un petit peu plus récent, que j'ai trouvé dans Kirchner et al. 2000. Alors il y a des graphes beaucoup plus récents, hein. Mais voilà, pareil, la distance sur l'axe horizontal X en mégaparsec, donc là on va jusqu'à peu près 700 mégaparsecs, donc c'est quand même plus loin, et en ordonnée l'axe vertical, Y, la vitesse radiale, donc la vitesse d'éloignement des galaxies, jusqu'à voilà, 40 000 km par seconde. Alors, les questions que j'ai souvent, c'est, oui, mais les galaxies qui se rapprochent de nous, oui, il y en a qui se rapprochent de nous, les galaxies d'Andromède, nuages de Magellan, mais parce qu'elles sont vraiment proche de nous, et là la gravité gagne toujours quand on est proche. Mais quand on est très très lointain, très espacé, vous voyez les mégaparsecs, c'est des millions d'années-lumière, ben, la force de gravité n'est pas assez forte pour attirer tout le monde. Donc en fait, c'est la dynamique d'expansion de l'univers qui domine à cette échelle-là. Ceux qui ne font pas de la science, c'est toujours difficile de comprendre qu'il y a des régimes dans lesquels les forces sont
vraiment active, et d'autres régimes où bah, les forces sont négligeables. Voilà, ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour les non-scientifiques. Donc j'espère que si vous êtes non-scientifique et que vous m'écoutez, j'espère qu'autour de vous, il y a des gens qui pourront vous expliquer ça. Mais effectivement, la force de la gravité, même si la force de la gravité ou les autres forces fondamentales s'appliquent à toutes les échelles, dans l'univers, du très très grand au très très petit, il y a des zones de taille ou de distance dans lesquelles ces forces sont préférentiellement dominantes. Et il y a d'autres domaines, par exemple à l'échelle microscopique, la force de gravité, elle existe, mais elle est tellement faible qu'en fait, ça ne change absolument pas de l'ignorer complètement. Et bien pour l'expansion de l'univers, la force de gravitation, elle existe toujours, mais en fait, elle ne joue aucun rôle. C'est-à-dire qu'elle est tellement faible par rapport aux autres aspects que, en fait, elle joue plus du tout pour contrer l'expansion de l'univers. Donc voilà, donc on a un univers en expansion. Il y a aussi une autre prédiction extraordinaire du modèle du Big Bang, qui est que le fond cosmologique qu'on avait vu tout à l'heure par Penzias et Wilson, hein, je vous le remets là, où est-ce qu'il était? Alors ils n'avaient pas vu ça, mais enfin là c'est imagé. C'est-à-dire qu'ils avaient vu une image du ciel complètement constante, hein, une température très froide, à peu près 2,7 Kelvin. En fait, si on fait un zoom sur cette image, un zoom non pas en angle, hein, mais un zoom en intensité, vous avez une échelle à gauche de température, je vais zoomer au millionième de degré sur ce fond cosmologique et je vais voir apparaître des choses extraordinaires qui sont là. Voilà. Voilà, je fais un zoom de l'ordre du millionième de degré. Et la première image qui est apparue du fond cosmologique, donc là je reviens sur le fond cosmologique, c'est ce qui a été obtenu par le satellite Kobe en 1992, hein, donc pendant 3 ans d'intégration avec l'instrument DMR, par son investigateur principal. Alors donc apparemment ça a coupé, hein, voilà, mais donc vous l'aurez en replay. L'instrument DMR piloté par George Smoot, qui a eu aussi le prix Nobel en 2006 avec John Mather, ils ont été les premiers à voir ce qu'ils appellent les rides du temps, hein, qui est un terme un petit peu poétique, mais ils ont pu voir des variations dans l'intensité de cette lumière fossile du fond cosmologique. Et c'est tout petit, hein, c'est le millionième de degré par rapport à 3 Kelvin, donc c'est vraiment très très petit. Mais figurez-vous que ces fluctuations, on appelle ça des fluctuations, parce que ça fluctue autour d'une moyenne. C'est des toutes petites fluctuations. Mais figurez-vous que ces fluctuations étaient prédites par la théorie, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre comment d'un univers très homogène, vu par le rayonnement à 3 Kelvin, on arrivait aujourd'hui à un univers très hétérogène, avec des galaxies, des pleins, et des vides, entre les galaxies. La gravité, normalement, voilà, elle condense la matière, mais si tout est homogène au début, bah, ça condense rien du tout. Tout est homogène, il n'y a pas de surdensité. Donc il fallait quelque chose pour expliquer le côté initial, pour initier les petites surdensités. Alors il y a plein de modèles qui interviennent, hein, modèle de l'inflation cosmique, voilà, c'est principalement l'inflation d'ailleurs qui permet d'expliquer ça. Mais voilà, le modèle d'inflation prédit qu'il y a des petites fluctuations quantiques qui engendrent des graines de surdensité qui sont voilà, mises à très grande échelle et qu'on observe dans le fond cosmologique. Donc en fait, on observe les prémices de ce qui deviendra des surdensités ultérieures et ce qui deviendra des amas de galaxies, des galaxies, puis des étoiles, des planètes, etc. Donc on observe que le fond cosmologique, il est très homogène à grande échelle, mais à plus petite échelle, il commence à y avoir des toutes petites surdensités de l'ordre du millionième, hein. Voilà, c'est le genre de valeur qu'on a. Donc, Kobe a découvert ça, ce qui était prédit par la théorie, notamment par Peebles. Hein, je reviendrai la semaine prochaine sur les prix Nobel, je crois, ou la semaine d'après, vu que nous avons plusieurs semaines à nous retrouver avec grand plaisir. Voilà, donc j'ai prévu des séances sur les prix Nobel en astrophysique. Et donc, on avait prévu ces petites fluctuations qu'on commençait à observer. Donc, ça aussi, c'était un très, très grand résultat début des années 1990, qui confortait encore le modèle du Big Bang, parce que ça avait été prédit en avance et c'était observé ensuite. Après, WMAP est arrivé, qui est donc le satellite de génération ultérieure de la NASA pour observer le fond cosmologique, qui d'ailleurs s'appelle Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, du nom de M. Wilkinson, hein, qui était dans le tout premier article de 65, qui était décédé entre-temps, et donc ils ont décidé de lui rendre hommage en l'appelant Wilkinson Map. Et donc on voit l'amélioration
de la finesse, on appelle ça résolution angulaire, de la finesse des détails, des petites fluctuations. Parce que figurez-vous que ces petites fluctuations nous renseignent sur les vibrations de l'univers au tout début. Et ces vibrations, on va le voir dans un instant, dépendent de la quantité de matière noire, etc. Donc en fait, ces vibrations, elles nous donnent la carte d'identité de l'univers. Et ces vibrations, elles sont vues à travers la lumière du fond cosmologique. Donc on veut avoir la vue la plus précise possible. C'est pour ça qu'on a beaucoup investi dans la recherche, notamment en Europe et aux États-Unis, mais pas que, pour avoir la meilleure image du fond cosmologique. Donc à l'époque, c'était WMAP. Et puis maintenant, l'image définitive, c'est celle du satellite Planck. Nous, les Européens, avons fabriqué ce satellite il y a quelques années, qui a obtenu la meilleure image du fond cosmologique sur tout le ciel. J'ai eu la chance de participer à cette aventure. D'ailleurs, mon livre en parle essentiellement, le côté obscur de l'univers. Et donc, cette image est extraordinaire. Vous voyez, la richesse des détails et puis une sensibilité extraordinaire. Mais je crois que j'en parlerai la semaine prochaine ou celle d'après. Alors voilà le modèle que l'on construit au final avec toutes ces contraintes. Les contraintes, c'est-à-dire les observations, hein, l'hélium, l'hydrogène, l'expansion de l'univers, le fond cosmologique, ses fluctuations, plein d'autres choses, les galaxies, leur présence, leur masse, leur distribution dans le ciel, hein, j'en ai pas parlé, mais ça s'appelle les BAO, oscillations baryoniques acoustiques, j'ai plein de collègues qui travaillent là-dessus. Et ça sera l'objet de la mission Euclide aussi, de les mesurer précisément bientôt. Donc il y a plein de mesures qui alimentent les modèles. Les modèles, eux, ils ont plein de paramètres libres. Donc il y a un champ des possibles très large par les modèles. Mais les mesures viennent finalement fixer les paramètres et nous décrire au final l'état de l'univers. Et donc en combinant la théorie d'une part, les observations d'autre part, on arrive à cette vision cohérente de l'univers que je vous présente ici, qui est donc schématisé, hein, qui commence à gauche par le Big Bang, avec une expansion très intense, très forte et très courte, quelque chose comme 10 puissance moins 35 secondes, qui s'appelle l'inflation cosmique. Ensuite, vous avez les quelques premières minutes de l'univers, durant lesquelles tout l'hydrogène et quasiment tout l'hélium de l'univers est synthétisé. On appelle ça la nucléosynthèse primordiale. Alors, j'ai pas de bouteille d'eau avec moi. Mais enfin, si vous avez de l'eau ou un liquide, ou dans votre corps il y a beaucoup d'eau, ben, tout l'hydrogène dont nous sommes faits, hein, parce que dans l'eau il y a H2O, il y a deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, ben, tout l'hydrogène dont nous sommes faits et que nous buvons a été synthétisé durant les trois premières minutes de l'univers. Voilà. Donc nous sommes, Hubert Reeves nous dit à juste titre que nous sommes des poussières d'étoiles, mais nous sommes un petit peu des poussières du Big Bang directement. Voilà. Donc nous sommes des poussières du Big Bang avec l'hydrogène. Et puis ensuite vous avez... quand l'univers arrive à 3000 degrés de température à peu près, donc il se refroidit, hein, il s'étend toujours et il se refroidit, vous arrivez au moment où la lumière peut enfin se propager librement, c'est le fond cosmologique dont on a parlé il y a quelques instants. Ensuite, vous avez les âges sombres, c'est-à-dire que vous n'avez que l'hydrogène neutre et toujours de l'émission du fond cosmologique, hein, lui ne disparaît pas. Mais par contre, on dit âge sombre parce qu'il n'y a pas d'étoiles, elles ne sont pas encore nées. Il faut du temps à ce que la matière baryonique, c'est-à-dire la matière ordinaire, se condense pour dans les halos de matière noire, par ailleurs, pour former et donner naissance aux étoiles. C'est ce qu'on appelle premières étoiles à rayonisation, à gauche, en bas à gauche, où les premières étoiles s'allument et ionisent tout leur environnement. On appelle ça rayonisation, puisque l'univers était déjà ionisé avant le fond cosmologique. Et puis, la matière a le temps de se condenser, donc les halos de matière noire d'une part, et puis la matière baryonique d'autre part, qui suit le mouvement, et puis qui forme des étoiles et des galaxies. Voilà. On arrive à cette vision cohérente, qui marche pas mal, avec quand même quelques petits soucis, qui est qu'il faut de la matière noire et de l'énergie sombre pour avoir cette vision cohérente. Mais je vais vous dire d'où ça sort, et que ça sort pas du chapeau, et que, donc effectivement, ce sont des grandes inconnues. Néanmoins, avec ce petit modulo, eh ben, tout marche bien. Alors justement, comment on en arrive à cette matière noire et cette énergie noire? Je vous avais promis ça la semaine dernière, donc je vais pas avoir le temps, mais je vais faire vite quand même. Alors, je vous ai dit la semaine dernière qu'on mesurait la matière noire, la présence indirecte de matière noire dans les galaxies et les amas de galaxies. Alors, on avait les courbes de rotation, ça je vous réfère à la semaine d'avant pour l'explication de cette courbe, mais je vais vous expliquer maintenant comment on fait en pratique. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous faire tout le cours, parce qu'il reste que quelques minutes. Alors, je déborderai pour les questions, hein. Mais disons que la partie, disons, exposée, je souhaite maintenir en une heure.
parce que c'était ce qui était annoncé. Donc on utilise quelque chose qui s'appelle le théorème du viriel. Vous pouvez aller sur vos bouquins de physique favoris, etc., ou vos sites web favoris. Je ne vais pas les démontrer là, parce que je n'ai pas le temps, mais ça vous dit que quand vous mettez des particules ensemble de gaz, donc ici le gaz c'est des galaxies par exemple, hein, qui tournent dans un amas de galaxies, et ben vous avez une distribution entre l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie qui est due à la gravité, et l'énergie cinétique, l'énergie due à la vitesse. Alors tout est dû à la gravité, hein, mais disons, elle est distribuée différemment entre vitesse et juste énergie potentielle. Si vous faites ça, vous arrivez au bout d'un moment, c'est pas très compliqué, mais je ne veux pas le faire là, à la vitesse de balade, hein, V, voilà. Vous avez vos galaxies dans un amas de galaxies, bah, votre galaxie, elle tourne autour de l'amas, à une vitesse qui dépend de la constante de la gravitation, de son rayon par rapport au centre, hein, R, et de la masse que vous avez à l'intérieur. Donc si vous avez le rayon de votre galaxie qui tourne et que vous mesurez sa vitesse, vous obtenez la masse de l'amas de galaxies. Et on fait pareil avec les galaxies. Dans une galaxie, voilà, que je dessine un peu comme ça, si vous mesurez la vitesse des étoiles en fonction du rayon, hein, R, V, vous mettez la vitesse au carré, vous prenez le rayon, et vous obtenez la masse qui est à l'intérieur de tout ça. Et c'est ce qu'on appelle la masse dynamique. Donc on obtient la masse, disons, totale, due à la gravitation, des galaxies à gauche ou des amas de galaxies à droite. Et c'est là qu'on voit que la masse mesurée, hein, par la vitesse et la gravitation toute simple, si j'ose dire, est 10 fois plus grande que la masse visible des étoiles ou des étoiles dans la galaxie. Donc depuis très longtemps, hein, depuis les années 1930 en fait, hein, 1933 avec Zwicky, on sait qu'il y a de la masse manquante si la gravité fonctionne bien. Jusqu'à maintenant, la gravité n'a pas été mise en défaut. Mais c'est peut-être ça le problème, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne se place pas dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qui fait que y a une matière qu'on ne voit pas? On a appelé ça la matière noire. La matière noire, figurez-vous qu'on en a aussi besoin dans le fond cosmologique. Alors, en fait, j'ai pris beaucoup trop de temps, comme d'habitude, mais je vais vous expliquer ce point important, qui est comment on passe du fond cosmologique à la matière noire, etc. Pour ça, on a besoin une petite chose qui s'appelle une équation d'état. C'est de la thermodynamique, mais ça marche aussi en physique et en cosmologie. Vous connaissez peut-être la loi des gaz parfaits qui relie la pression d'un gaz, son volume, ce qui est voilà, au nombre, une constante, et à la température. Vous avez un lien entre température, pression et volume. Eh bien, en cosmologie, on a un peu l'équivalent, qui est que la pression est égale à une valeur qui dépend de ce que vous mettez. Est-ce que vous mettez de la lumière? Est-ce que vous mettez des particules relativistes? Est-ce que vous mettez des particules qui ne vont pas très vite, etc. Rho, la densité, et puis c'est la célérité de la lumière. Donc, vous avez une relation entre la pression de vos particules, hein, ça peut être de la lumière, ça peut être de la matière noire, ça peut être de la matière baryonique, ça peut être des neutrinos, ça peut être de l'énergie sombre, ça peut être voilà, tout ce que vous voulez. Et donc la densité, vous mesurez. Mais vous pouvez me dire, ouais, mais si on ne les voit pas, les particules, comment on fait? Ben, c'est ça qui est formidable. C'est que on peut avoir des mesures de densité, par exemple, sans voir les particules. Je vous donne une analogie. L'air qui est autour de nous, que vous respirez, est-ce que vous avez déjà vu des particules d'air, d'oxygène, d'azote, etc.? Non, jamais, normalement. Enfin, appelez-moi si vous avez déjà vu de l'oxygène ou de l'azote directement avec vos yeux. Non, vous ne l'avez jamais vu. Pourtant, on peut mesurer une pression, on peut mesurer une densité, on peut mesurer une température. Hein? Donc si je prends la loi des gaz parfaits, qui est là, gaz parfait, j'ai une température, je peux mesurer une pression, je peux mesurer un volume. Donc je peux mesurer ce qu'il y a dans l'air, même si je ne sais pas de quoi c'est fait, et même si je ne le vois pas. Eh bien, figurez-vous qu'on fait pareil dans l'univers. On ne sait pas ce que c'est la matière noire et l'énergie sombre, mais on peut mesurer des paramètres et les ajuster, et voir si ça correspond à de la matière ou à une sorte d'expansion accélérée, voilà, que sais-je, ou à rien du tout, parce que la matière non relativiste compte pour zéro. Et ben c'est ça qu'on fait. Alors je vous la fais vite, hein, mais et donc comment on fait? On passe de l'image du fond cosmologique qui est en haut à gauche, on la mouline à travers une moulinette mathématique qui est en bas à droite, et en bas à gauche, pardon, pour arriver à ce qui est en bas à droite, ce qu'on appelle un spectre de puissance.
Et ce spectre de puissance, on peut le comparer à la théorie, et on peut retrouver les paramètres de l'univers, et retrouver la quantité de matière noire, d'énergie sombre, l'âge de l'univers, etc. Alors je vais vous donner un exemple, je voulais quand même vous faire la manip. Voilà, je suis très fier, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais je vais vous donner une analogie avec le son, pour vous expliquer ce que c'est qu'un spectre de puissance. Donc on passe du fond cosmologique qui est en haut à gauche, au spectre de puissance qui est en haut à droite, et on va faire pareil avec de la musique. Alors la musique, je prends mon téléphone, et donc j'ai suivi les conseils de mon ami et collègue Julien Bobroff avec l'application FiFox. Et là, j'ai mis l'option audioscope, c'est-à-dire que vous allez voir le temps en X et l'amplitude de ma voix en Y. Et je vais chanter, vous allez voir, ça va être formidable, c'est un grand moment. Je vais chanter des notes graves aux notes aiguës, ça va vous donner en fait la fréquence, vous allez voir. Alors, je vais faire des notes graves. Donc vous avez une oscillation qui correspond aux notes graves. Et je vais aller à l'aigu, de plus en plus vers l'aigu. Vous allez voir que la fréquence va changer. Alors j'y vais. Je vais m'éclaircir la voix. On va essayer d'aller un peu plus haut. Bon, c'est un peu dur, mais vous voyez que quand je fais les courbes sont très rapprochées, la fréquence est grande, alors que quand je fais bon, d'abord il y a des harmoniques, hein. Ça c'est mes cordes vocales qui font ça, mais vous voyez que l'espacement est plus large. Vous voyez que c'est différent. Donc ça c'est ce qu'on appelle vraiment la fréquence, ce qui correspondrait à l'image du fond cosmologique en haut à gauche, c'est-à-dire c'est le signal brut, si j'ai envie de dire. Mais d'un point de vue statistique, c'est un peu compliqué à regarder. Donc on a une autre méthode qu'on appelle le spectre de puissance, que je vais vous mettre ici. Alors c'est un peu long à expliquer, mais en gros, ça vous donne, c'est comme si ça vous donne une note. Hein, je vous ai amené, j'ai sorti ça, c'est pas pour rien. Vous connaissez peut-être des partitions de musique, hein. Voilà, vous voyez des partitions, la musique et tout. Ben en fait, ça, c'est des notes, c'est-à-dire, c'est déjà des fréquences. C'est pas le oh que je vous ai montré, c'est déjà des fréquences. Et je vais vous montrer ce que ça donne en temps réel, des notes finalement. Alors, je vais faire un son grave et vous allez voir un pic vers 100 Hz à peu près. Oh. Alors ça bouge beaucoup, hein. Faut regarder la partie qui est à 100. Et maintenant je vais faire un son aigu, vous allez voir qu'il y a un petit pic qui ne va pas être à 100 mais qui va être un peu vers la droite. Donc je vais passer de grave à aigu. Et regardez le Fourier Transform Plot. Oh. Donc vous voyez le I, il est à peu près à 300 Hz, quelque chose comme 300 ou 400 Hz. Et il est très piqué. Et c'est beaucoup plus simple qu'avoir le petit zigouigoui avec toutes les courbes qui se succèdent. Là, vous avez juste une fréquence qui vous caractérise complètement le signal. Alors, je le refais une dernière fois. Bon, j'arrête de me ridiculiser, mais pas du tout, en fait, c'est très amusant. Donc, vous voyez que la science, elle est assez rigolote, même en cosmologie. Donc, on utilise cette analogie entre le fait de prendre un signal, donc cette image du fond cosmologique qui est en haut à gauche, on la triture pour avoir ce qu'on appelle les modes de fréquence, qui, d'un point de vue scientifique, sont un petit peu plus utiles. Alors pourquoi ils sont utiles? Parce que pour le fond cosmologique, on obtient ce genre de courbe. Vous avez en ordonnée l'intensité, hein, bon, en gros c'est la transformée de Fourier au carré, mais bon, c'est quasiment ça. Et puis sur l'axe Y, c'est le mode de vibration. Alors c'est pas temporel, là c'est juste angulaire. Bon. Je vous passe les détails. Et chaque feature sur cette courbe, c'est-à-dire chaque portion de la courbe, dépend d'un paramètre cosmologique. Alors je vais vous le montrer ici, si j'y arrive. Je ne sais pas si vous voyez cette courbe. Voilà, c'est la même, c'est théorique. Hein. C'est la théorie qui prédit comment changerait la courbe. Donc c'est la mesure du fond cosmologique
de ces vibrations lumineuses que l'on transforme, donc nous on mesure en température, et que l'on transforme en spectre de puissance. Et là, on a varié, alors c'est Wayne Hu de l'Université de Chicago qui a fait ça il y a une vingtaine d'années. En bas à droite, vous voyez que vous augmentez ou pas la quantité de baryon, c'est-à-dire la quantité de matière ordinaire. Et vous voyez que la forme du spectre change complètement. Alors c'est un spectre de puissance, hein. Je dirais spectre, c'est pas un spectre de lumière, mais c'est un spectre de puissance. Donc vous voyez que ça change complètement. Et pareil, je vais vous en montrer un autre, c'est si vous mettez plus ou moins de matière noire. Ah, alors évidemment, je ne sais plus pourquoi ça ne se voit plus bien, voilà. Parce que tout est lent. Alors vous voyez ou pas, je vais essayer de le recharger. Voilà, vous voyez ou pas, si voilà, vous voyez bien. Pareil, quand on augmente la quantité de matière noire, on voit que les pics s'affaissent et que la hauteur relative des pics change également. Donc en fait, il suffit, entre guillemets, de mesurer très précisément ce spectre de puissance du fond cosmologique pour trouver la quantité de matière ordinaire dans l'univers et la quantité de matière noire, et bien d'autres, parce qu'évidemment, j'en passe. Alors voilà ce que ça donne dans la vraie vie de la cosmologie. Voici les données du satellite Planck qui vous donne dans ce même espace, hein, l'intensité de voilà, sur le ciel, hein, c'est plus compliqué que ça, c'est pour ça que j'hésite, mais c'est l'amplitude du spectre de puissance sur l'axe Y, et puis sur l'axe X, c'est la zone du ciel, voilà, le mode angulaire du ciel, et les points que vous voyez, ce sont les points du satellite Planck. Et vous voyez des sortes d'oscillations. Alors, le graphe d'après que je vous montre, c'est la théorie, avec 6 paramètres. Hein. J'ai oublié d'évoquer que le modèle cosmologique lambda CDM n'a que 6 paramètres. Donc, l'univers jeune est caractérisé par 6 paramètres. Donc, ça, c'est le meilleur modèle. Mais est-ce que les deux s'accordent bien? Attention les yeux. Regardez comment le modèle cosmologique et les données s'accordent essentiellement parfaitement. Et avec cette mesure de la position des pics en ordonnée et en ordonnée et en abscisse, on arrive à trouver la quantité de matière noire, d'énergie sombre. Alors l'énergie sombre pas trop, il faut les BAO, mais grâce à cette modélisation qui provient notamment de cette équation d'état ici. Hein, c'est ça qu'on a injecté notamment dans les paramètres cosmologiques. Et donc voilà les données beaucoup plus récentes. On a, alors vous remarquez qu'on a mis une échelle un peu spéciale. À gauche, jusqu'à L égale 50 ou 100, on a mis une échelle log linéaire pour mettre en exergue certaines parties. Pourquoi on a fait ça? C'est tout simplement le graphe d'avant, parce que la partie plateau, pour L inférieure à 50, dépend des conditions initiales, c'est-à-dire tout simplement de l'inflation cosmique, mais elle est quand même affectée par la densité d'électrons sur la ligne de visée, ce qu'on appelle la profondeur optique. Et puis plus vous allez à droite, plus vous dépendez d'autres choses. Donc on a envie vraiment de bien voir tous les détails. Donc c'est pour ça qu'on a mis une échelle un petit peu baroque pour bien voir tous ces détails. Donc ça c'est la température. Ça c'est la température et polarisation. Je n'ai pas trop le temps de vous en parler parce que finalement je déborde un petit peu. Mais comme de toute façon la connexion est coupée, vous m'entendrez qu'après coup. Voilà, j'en suis désolé, mais j'espère que vous m'écouterez avec autant de plaisir qu'en direct. Et puis, donc en bas, c'est la polarisation, parce que Planck mesurait aussi de la polarisation, et alors là, ça nous mènerait un peu loin, mais vous voyez que les points de mesure qui sont rouges s'accordent parfaitement avec l'ajustement bleu, hein, avec une précision absolument inégalée. Bon, on a le Lensing qui est encore autre chose. Et puis, donc, grâce à ça, on peut mesurer la constante de Hubble, comme Hubble voilà, en 1929, et puis d'autres plus tard. Et donc, voilà ce qu'on a publié dans notre article en 2018, qui est les mesures en axe Y de la constante de Hubble, donc le taux d'expansion de l'univers, en fonction de l'année de publication. Vous voyez qu'avant les années 2010, il y avait une assez grande dispersion, hein, presque un facteur 2. Et puis, tout d'un coup, Planck arrive, et regardez comment les mesures deviennent beaucoup plus précises. Même si, effectivement, il y a toujours des questionnements, hein, les différentes méthodes de mesure entre Planck et les autres petits points bleus qui sont au-dessus ne donnent pas un accord absolument satisfaisant. Voilà, les collègues sont en train d'y travailler, ça ouvre peut-être d'autres questions, mais disons globalement, le paysage s'est vraiment clarifié.
et éclairci, et c'est beaucoup, beaucoup plus proche. Donc on a pu mesurer la constante de Hubble, maintenant, beaucoup plus précisément, notamment avec le satellite Planck. Alors voilà, j'aime bien montrer cette table, parce que cette table est vraiment issue de nos publications 2018. Hein. C'est vraiment la carte d'identité vraiment unique de l'univers, avec tous ces chiffres. Donc les six premières lignes sont les paramètres vraiment cosmologiques que l'on ajuste. Et puis les autres sont des paramètres dérivés. Alors j'ai mis en bleu les paramètres, quelques-uns des paramètres importants. Mais ce qui est vraiment important de noter, c'est que la précision est absolument remarquable. Moi, quand j'étais étudiant, la précision, enfin donc il y a 20, 25 ans, 25 ans maintenant, on avait des facteurs 2 d'incertitude. Là, on est sub-pourcent, c'est-à-dire inférieur au pourcent. C'est juste extraordinaire. Et on peut faire de la science beaucoup plus précise et mieux comprendre l'univers ainsi, en croisant donc les données et le modèle. Et donc, je vous ai mis en rouge, au milieu de cette table, l'âge, enfin, c'est la publication qui donne ça, mais je vous l'ai mis en exergue, l'âge de l'univers, voilà, 13,79 milliards d'années, à 0,15% d'incertitude. Ça, c'est tout simplement extraordinaire. Alors, on mesure aussi la matière noire, grâce à des effets de l'anti-âge gravitationnel, hein, je peux vous raconter ça à l'occasion. Mais on mesure où est la matière noire dans l'univers de manière projetée avec le satellite Planck, et c'est la première fois que c'était fait de cette manière sur cette totalité du ciel. Ça, c'est tout simplement extraordinaire. Et donc on obtient le camembert cosmique, mais alors je crois qu'il n'y a plus beaucoup de connexions, donc je vais quand même essayer de voir si vous jamais vous répondiez à la question. À votre avis, effectivement, plus personne n'est connecté, donc bon, le book club va s'arrêter, c'est dommage. Je vais voir si vous avez des questions après. Alors, donc, si la connexion en direct avait fonctionné, je vous aurais posé la question de, voilà le camembert cosmique, et donc, voilà la composition principale de l'univers. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que A, 26% à peu près, B, 5% et C, 68-69%? Et bien, comme je suis tout seul à parler dans le vide dans ma vidéo, je vais vous le dire là, voilà. On obtient avec le satellite Planck et d'autres mesures avec des relevés de galaxies, la carte d'identité suivante de l'univers. La matière ordinaire, qui est la matière baryonique, c'est à peu près 5%, 4,9%. C'est tout ce qu'on connaît, tout ce dont nous sommes faits autour de nous. La matière noire, à peu près 26-27%, en bleu, en haut. Et puis la dark energy, donc l'énergie sombre, 69-68%. C'est tout le reste. C'est ce qui provoque l'expansion accélérée de l'univers qui a été découverte par les relevés de galaxies, notamment les relevés de supernovae, jusqu'à assez grand redshift, qui a aussi permis d'obtenir un prix Nobel il y a quelques années. Donc voilà la carte d'identité de l'univers. Et ça, on l'obtient, je tiens à le préciser, de manière vraiment scientifique, grâce notamment à cette équation d'état. Hein, on ajuste les paramètres et on obtient le camembert cosmique qui est là. Donc si vous ne voulez pas mettre d'énergie noire, vous ne le mettez pas. C'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on a fait dans nos publications. Mais on voit que les ajustements ne sont plus très bons parce qu'il manque quelque chose. Donc on arrive au meilleur ajustement avec cette recette de l'univers, matière noire, énergie sombre, matière ordinaire et puis évidemment des neutrinos, enfin d'autres choses. Mais... et donc, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse ultime. Mais ça veut dire que si on prend ces hypothèses-là d'énergie sombre et de matière noire, tout est cohérent et tout s'ajuste. Reste maintenant, évidemment, et ce n'est pas un problème simple, à voir ce que c'est que ces effets d'énergie sombre et de matière noire. C'est pour ça que la mission Euclide va être lancée, notamment pour répondre à ces questions. J'en parlerai incessamment. Alors, la fin est proche. Je vous montre les trois images plans qui ont été publiées dans nos articles et que j'aime beaucoup. L'image du haut, l'image A, représente les fluctuations de température de ce fameux fond cosmologique qui nous permettent d'obtenir plein d'informations importantes. L'image B représente la polarisation de la lumière du fond cosmologique que l'on mesure aussi très bien. Alors, un peu moins bien que la mesure de température puisque Planck n'avait pas énormément de bolomètres polarisés, mais les prochaines mesures en train d'être faites, notamment au sol et puis j'espère bientôt dans l'espace, vont apporter un changement de paradigme absolument extraordinaire grâce aux mesures de polarisation. Et puis image C en bas, c'est la matière noire dans tout l'univers, telle que mesurée par Planck. Alors, avant d'aborder aux questions, puisque apparemment je parle dans le vide, je vais vous donner mes conseils de lecture. Et puis je répondrai aux questions qui me sont arrivées avant
pendant la, quand j'étais en ligne, je vais y répondre juste après. Je vous conseille, comme chaque semaine, les sorties d'intérieur de la diagonale Paris-Saclay, de l'université Paris-Saclay, avec ce hashtag, voilà, sortie d'intérieur. Il y a plusieurs bons plans par jour, qu'il s'agit de sciences, d'art, de culture, des plans gratuits. On poste ça sur les réseaux sociaux et sur une page web, hein, sinon vous allez à l'université Paris-Saclay, où on vous donne tous les bons plans pour, bah, pour, vous, pour égayer votre, votre confinement et puis vous, vous cultiver en famille et avec plaisir. Un livre que j'adore, enfin tous les livres que je vous présente, je les adore, hein, mais Jean-Marc Lévy-Leblon, qui est évidemment une personnalité extraordinaire, que j'ai la chance de croiser quelquefois au Festival d'Astronomie de Florence, dont je salue d'ailleurs tous les copains organisateurs, c'est aussi un festival extraordinaire, à Florence, donc dans le Gers. Et bref, donc Jean-Marc Lévy-Leblon écrit toujours des choses extraordinaires depuis très longtemps, mais en particulier, La science expliquée à mes petits-enfants. Donc je le conseille à, aussi à mes étudiants. Ça peut paraître un livre un peu simpliste, genre je raconte aux enfants la science, mais en fait c'est très très profond, et cette collection est très très bien, elle est au seuil. C'est très bien expliqué, c'est très profond, c'est petit, c'est léger, c'est génial. Je vous conseille dans la même série l'incontournable Hubert Reeves, L'univers expliqué à mes petits-enfants. Pareil au seuil, dans la collection qui s'appelle... Bah, je sais plus, mais enfin en gros, j'explique le monde à mes petits-enfants. C'est pareil, c'est très court, c'est très synthétique, c'est très ubériste, c'est chouette. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Hein, voilà. Un collègue aussi que j'adore, Jean-Philippe Usan, avec son superbe livre « L'harmonie secrète de l'univers ». Alors pareil, Jean-Philippe écrit beaucoup de livres, etc. Mais là, ça parle et de musique et de science. On a vu qu'il y avait une relation, hein, même avec ma belle voix. Mais heureusement, j'ai des amis artistes qui vont peut-être m'aider à faire des choses beaucoup plus convaincantes que ce que j'ai fait là en confinement. Mais voilà, donc « L'harmonie secrète de l'univers » chez La Ville Brûle, voilà, qui est vraiment très très bien. La matière noire vous intéresse, c'est The Référence. Ma collègue Françoise Combe, qui est aussi une collègue extraordinaire, a écrit ce super livre chez Viber. La matière noire, clé de l'univers. Elle explique plein de choses. En gros, tout ce que je vous ai raconté, mais avec plus de détails. Voilà, c'est vraiment à lire absolument, un incontournable. Et j'ai même une belle dédicace de Françoise, que je remercie encore. Et alors si vraiment vous êtes vraiment, vous avez envie d'aller là, carrément, au niveau d'au-dessus, parce que là c'était des lectures grand public, alors profondes, hein, vraiment, il n'y a aucun souci sur la légitimité, sur le discours, etc., mais c'était au niveau grand public. Là je vous conseille l'une de mes deux bibles, Galaxy Formation and Evolution, de Moe van den Bosch et White, chez Cambridge University Press. Alors c'est en anglais, c'est un livre de cours, mais il y a tout dedans. Galaxy Formation and Evolution, c'est ce que je conseille à mes étudiants de Master 2. Et puis, ma deuxième bible, Peter Schneider, Extratic Astronomy and Cosmology, chez Springer, qui est aussi la base d'un cours que je donnais en Master 2 en Cosmo. Et il y a même ma figure, je ne sais plus où elle est, une figure d'un des travaux que j'ai fait il y a quelques années sur le fond de galaxie, fond extragalactique infrarouge, bon, bref, je ne sais plus où c'est, que je détaille dans mon livre chez Duno. Et puis, bah voilà, c'est bon, pour les conseils de lecture. Alors comme le réseau est toujours coupé, je vais en profiter pour répondre aux questions qui me sont parvenues. Alors, les questions qui me sont parvenues. Comment mesure-t-on le rayon d'une galaxie? Eh bien, pour mesurer le rayon d'une galaxie, c'est pas hyper compliqué, je vais vous montrer ça. J'ai une image de galaxie, il me semble. Les images Spitzer. Où êtes-vous les images? Voilà, elle est là. Je vais vous montrer cette image de galaxie. Voilà, vous avez une galaxie qui est donc sur la gauche et aussi sur la droite finalement. Ben, la première chose à faire, c'est mesurer sa distance. Ça, on a des techniques pour mesurer la distance avec le redshift notamment. Alors, c'est compliqué, ça demande du temps, etc., mais on y arrive. Une fois que vous avez le redshift, et ben vous, sur votre image, vous mesurez la taille en pixels de votre galaxie. Et puis, donc, vous mesurez l'angle, hein, finalement, l'angle de vue que vous voyez. Et puis, bah, avec la distance, c'est un peu comme un triangle de Pythagore, sauf qu'en cosmologie, c'est un peu plus compliqué, parce que l'univers est en expansion, donc les angles ne sont pas complètement droits. Mais, même si on est dans un univers plat, hein, la distance angulaire n'est pas complètement monotone. Enfin, je vous passe les détails du cours de cosmologie de master, mais voilà, si on a l'angle de vue et qu'on a le redshift, on peut obtenir la taille transverse, donc la taille de la galaxie, et après, on peut obtenir son rayon.
Et pareil pour les images de droite, hein, on fait des ajustements avec des procédures automatiques d'ajustement de forme de galaxie, et puis on obtient le rayon si on a la distance. Donc c'est d'un point de vue conceptuel, c'est assez simple, mais d'un point de vue technique et observationnel, c'est très très difficile, mais on y arrive. Alors, les galaxies... Ah oui, une question. Les galaxies découvertes semblent être dépourvues de matière noire. Quel avenir pour celles-ci? Alors, je tiens à être beaucoup plus prudent. Il y a effectivement une ou deux galaxies qui n'ont pas beaucoup de matière noire, de même qu'il y a une ou deux galaxies qui ont 99% de matière noire. Donc ce sont des cas particuliers que nous observons très proches parce que nous avons la résolution pour les voir. On pense que ces cas, ce sont des cas très très rares et l'essentiel des galaxies que nous voyons sont effectivement standard entre guillemets avec 80 à 90% de matière noire et le reste de matière baryonique. Donc les galaxies avec très peu de matière noire ou au contraire énormément de matière noire sont sujets à études complémentaires. Donc j'avoue, j'ai pas suivi cette littérature, mais effectivement ça fait l'objet de communiqués de presse et c'est toujours intéressant effectivement de mettre des controverses scientifiques ou des résultats qui sont discutés sur la place publique. Ça c'est très très bien, mais j'ai pas suivi la littérature, donc je sais pas où ça en est, mais je sais qu'il y avait des débats sur les méthodes de mesure ou sur le type de galaxie que c'était. Donc je peux pas trop répondre à l'avenir à cette question et l'avenir de cette galaxie, mais qu'une galaxie ait ou pas de la matière noire, finalement, elle s'en fiche, hein, elle continue à évoluer. Donc en gros le gaz de baryon continue normalement de s'effondrer, éventuellement très doucement, mais pour former des étoiles. Et puis au bout d'un moment, le gaz est tout consumé et les étoiles meurent. Et voilà. Ou alors, si vraiment il n'y a pas assez de perturbations, bah, le gaz reste sous forme gazeuse, ne forme pas d'étoiles. Et puis voilà, et puis ça reste comme ça. Donc ça, c'est pas très gênant. Alors, ça ne marche pas sur YouTube, ok. Je pensais... Non, voilà, effectivement... Alors, est-on en mesure d'imaginer qu'il n'y a pas de début à l'univers et donc pas de fin? Alors non, pas du tout, les deux sont indépendants. On pense que l'univers a un début, en tout cas c'est la singularité initiale, et puis de toute façon ce qui se passe à un temps inférieur à 10 puissance moins 43 secondes, qu'on appelle le temps de Planck, hein, le temps du physicien, les lois de la physique deviennent vraiment compliquées, et donc on n'est pas encore en mesure d'avoir une description vraiment très très claire, mais il y a plein de modèles alternatifs, hein, donc soit c'est le Big Bang, donc une singularité initiale qui pose aussi des questions, il y a tout ce qui est, j'essaie d'avoir le terme en français, gravité quantique à boucle, il y a les modèles d'univers à rebond, enfin il y a tout un tas de zoologies d'univers qui peuvent expliquer aussi les tout premiers instants de l'univers. Donc ça, c'est pas gênant. Et puis la fin, alors pareil, c'est pas complètement facile, mais à ce jour, la fin, elle va se poursuivre, le temps se poursuit, et puis l'univers va se diluer. La question, c'est à quelle vitesse, est-ce que l'énergie sombre va vraiment prendre le dessus ou pas, mais en gros, l'univers va se diluer et puis se refroidir. Vous me dites qu'effectivement le réseau posait problème, donc ça, voilà, je suis au courant. Et puis, alors, peut-être que effectivement, quelqu'un fait un commentaire, hein, c'est Patrick, salut Patrick. La nuit noire, donc que l'on observe avec nos yeux, quand l'extinction nocturne de l'éclairage urbain a lieu, effectivement, est menacée par toutes ces constellations de satellites Starlink ou autres, qui sont à très très courte distance, et ils prévoient d'en avoir des milliers et des milliers qui vont zébrer le ciel, et ça vraiment c'est une catastrophe pour la nature et la qualité de la nuit noire. Donc moi j'encourage ceux qui sont sensibles à ça à se plaindre auprès de SpaceX et de tous ces gens-là, parce qu'avoir des millions de constellations de satellites en orbite basse, tout ça juste pour avoir des vidéos de chasse sur internet, alors excusez-moi mais c'est quand même pas hyper intéressant. Donc là, vraiment, on est en train la société est en train d'avoir une direction un petit peu débile, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ces méga constellations, tout ça pour avoir le téléphone portable et Internet absolument partout? Moi, je crois pas. Alors évidemment, il y a des zones où il n'y a pas de téléphone portable et d'Internet, mais ça, il y a d'autres moyens d'y arriver. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces constellations. Donc effectivement, ça, c'est très, très triste que la nuit noire risque de disparaître à cause de ces constellations qui tournent. Alors... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pigeons de Penzias et Wilson.
Voilà, vous me dites qu'effectivement, le réseau marchait pas, voilà, marchait pas bien, mais il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, je suis ravi d'avoir parlé avec vous, alors en différé, hein, de fait. En plus, ça a pris un petit peu plus de temps, donc comme ça, vous aurez du rap, si ça vous amuse. J'espère que ce format vous convient, même si aujourd'hui, ça a complètement raté d'un point de vue interaction. Peut-être que j'en tiendrai compte et que peut-être que la prochaine fois, j'enregistrerai. Je sais peut-être ce que je vais faire. Et puis, bah, bonne continuation. Observez bien le ciel. Il fait beau sur beaucoup de régions en ce moment, donc profitez-en. Le ciel nocturne est magnifique. Le soir, il y a Vénus qui brille. Le matin, il y a trois planètes, il y a la Lune. Alors, bon, la Lune tourne, hein, donc dans chaque semaine, chaque jour, elle change de position. Il y a vraiment de très très belles choses à voir. Profitez-en. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Au revoir.